Bonjour. Ça va? En plus. Alors moi je suis éleveur de vaches limousine en veau. Voilà, je vends du veau en caissette, en colis de 5-10 kilos. Voilà. Et moi je suis éleveur de volaille du coup, donc poulet, pentade. C'est des volailles prêtes à rôtir. On a commencé à 12 au départ et maintenant on est 38. Deux ans après, un peu plus de deux ans maintenant. Oui. Donc... Les commandes se font en ligne sur le site du Drive. Et c'est une commande jusqu'au mardi 18h, donc ils commandent les produits qu'ils souhaitent en fonction des différentes rubriques qu'il y a. Et ils reviennent chercher les produits une fois par semaine, voilà, de 17h à 19h. Voilà. Je pense que le modèle des hypermarchés ou des supermarchés a vécu. Il faut vraiment se tourner vers une production beaucoup plus vertueuse, avec des circuits courts et de qualité, encore une fois. On s'y retrouve vraiment, à tout point de vue. Pour les clients, il faut qu'ils aient un agriculteur qui produit le produit qu'ils vont acheter et qu'ils voient qu'ils aient un visage et qui mieux que l'agriculteur parlait de son produit, quoi. Damien, voilà, les volailles qu'il produit, qu'il les fait naître jusqu'à la découpe et jusqu'à la vente, il n'y a que lui qui peut en parler au mieux. Et pareil pour mon veau et enfin, tous les produits des gens et du drive. Et... Alors oui, on était à Quercy-Paul sur on louait au Grand Figeac, donc un local, et donc on a pris la décision de revenir à la ferme, ce qu'on aurait dû faire au départ, je pense, avec du recul. Ça aurait évité toutes ces charges inutiles de location, de diverses et variées, d'électricité, d'eau, taxes tout à l'égout et autres, pour que le revenu aille directement encore plus à l'agriculteur. On est beaucoup dans l'entraide. Ouais. Bah, l'union fait la force en fait, et c'est un peu le principe du Drive Paysan aussi. Donc, c'est vrai qu'il nous a tenté encore plus de rejoindre ce regroupement. Ouais. On aimerait changer les choses à notre échelle.